L'instrument avec lequel on travaille ici, c'est un limonaire, c'est un orchestrion. Pour moi, c'est plein de souvenirs d'enfance, puisque je me souviens quand j'étais tout petit, on allait au Méliparc et il y avait une vitrine avec un limonaire. Donc avec ce type d'instrument qui était beaucoup plus petit, évidemment. Et voilà, sans doute que ce spectacle, cette envie vient de là. Ce que vous voyez, c'est en fait la version moderne que des orgues, des salles de danse qui étaient très populaires dans les années 50, 60, voire le début des années 70, et qui, à ce moment-là, étaient commandées par des cartes perforées, comme les pianos là, vous voyez. Donc, moi-même, en tant qu'enfant, avec mes parents, le dimanche, on allait dans un café qui s'appelait chez Dick Louis, où il y avait des orgues comme ça, et comme enfant, j'étais fasciné par ces bâtons qui bougeaient tout seuls et cette musique. C'est la continuité d'une aventure avec Didier qui a commencé il y a maintenant 3 ans, où on a joué en duo énormément. On a fait beaucoup de concerts, on a fait tout un répertoire à deux. C'est vraiment la continuité de cette expérience-là. Il faut dire que Didier a une capacité de mélodique assez extraordinaire et une très grande intuitivité musicale, et ça m'a parlé. C'est Walter Huss qui, pour moi, est un peu le grand patron de cet instrument gigantesque. C'est pas Walter qui l'a fabriqué, c'est Decap, donc c'est une société néerlandophone, Decap qui l'a fabriqué, mais c'est Walter donc, qui est l'espèce de magicien. Moi, je parle de Léonard de Vinci, parfois, qui a créé des machines qui volent. Walter et Decap ont inventé cette machine, cet orchestrion incroyable qui dépasse tous les autres, pour moi, par leur côté humain et vivance. Pour moi, les flûtes, les orgues chantent comme des voix humaines. C'est l'équivalent d'un orchestre philharmonique. Donc, il y a les contrebasses, les flûtes, les violoncelles qui sont représentés par des tuyaux d'orgue ou des accordéons ou des instruments à percussion comme ici à côté de moi. Donc, pour moi, c'est je sais pas, il y a 20, 30, 40, 60 musiciens avec nous. Il faut les voir pour comprendre. Le son est tellement beau que c'est vraiment un plaisir. Peut-être que j'ai amené un côté rock qui est très bizarre parce que moi je suis un classique. Je pense que le public va bénéficier d'une expérience sonore extraordinaire. Il faut jamais croire ce qu'il dit. C'est lui, le fou.